Bonjour à tous, je vais continuer dans cette vidéo sur le même projet. Je vous ai montré l'autre fois comment importer les poutres dans ArchPoutre à partir du modèle de Arch Ossature déjà créé dans les autres séances. Donc j'ai continué de travailler sur les différentes poutres, c'est-à-dire j'ai finalement ici 9 poutres, et j'ai travaillé ici, j'ai continué le travail de le même principe de la méthode déjà montrée dans l'ancienne vidéo. J'ai continué de travailler sur les différentes poutres et j'ai arrivé de dimensionner les différentes poutres de notre projet. Voici les dimensions de la poutre numéro 1. La poutre numéro 4. Numéro 7 est finalement la poutre numéro 8 et la poutre numéro 9. Donc, dans cette partie-là, j'ai fini avec le dimensionnement. Et pour mettre à jour les nouvelles dimensions de la poutre dans notre modèle Arch Ossature, je vais cliquer sur Chaînage, Exporter vers Arch Ossature. Et je vais sélectionner tous les éléments, toutes les poutres. Je vais cliquer sur Exportation. Les 9 poutres ont été exportées vers Arch Ossature. Et je reviens ici pour importer les résultats de Arch. Je vais cliquer sur Fichier, Importer, Module de fer, Importation terminée. C'est-à-dire à cette étape-là, toutes les poutres ont été importées et donc Arch Ossature n'est pas considéré les nouvelles sections pour le calcul de temps de charge et pour le calcul de temps de charge, car c'est important pour bien estimer les charges appliquées sur les poteaux et par la suite sur les fondations. Je vais cliquer après sur Analyse, calcul de temps de charge pour qu'il puisse effectuer un autre calcul de charge, de descente de charge, pour bien estimer les charges appliquées sur les poteaux, c'est-à-dire pour recalculer le poids propre des différentes poutres. Calcul de temps de charge a été déjà effectué et je peux vous montrer ici notre nouveau modèle avec les nouvelles dimensions des différentes poutres. À cette étape-là, notre modèle, toutes les poutres ont été déjà dimensionnées de notre projet. Dans une première étape, on a terminé le ferrage pour les poutres nervures. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le dimensionnement des poteaux et des fondations.